Ensuite, on va regarder la couleur du sol. Alors la couleur, c'est un test différentiel. On va comparer la couleur qu'on a sur l'échantillon ici avec un échantillon sur une partie qui est dans une haie, un endroit pas travaillé. Donc ça, c'est un des seuls tests en fait où on regarde pas trop les photos, parce qu'il s'agit de comparer deux modes de terre. Donc sur un bon état, on a une couche superficielle du sol de couleur brun sombre, proche de la couleur d'échantillon de référence. État moyen, on a une couleur qui est plus pâle que l'échantillon de référence, mais un petit peu plus pâle. Et en mauvais état, on a vraiment une grosse différence de couleur entre les deux échantillons. Donc par exemple, on pourrait avoir, là j'ai pris un morceau en profondeur, hein, c'est pas ça qu'on ferait, mais s'il n'y avait pas eu toutes ces pratiques culturelles, si on était resté sur des techniques de labour comme il y a 20 ans, c'est-à-dire avant que Laurent reprenne le terrain, il y a 15-20 ans, on avait un sol de cette couleur-là, derrière un labour. Alors qu'en surface aujourd'hui, on a quelque chose comme ça. Et on voit quand on descend, on a une gradation de couleur vers l'ocre comme ça. Donc là, avant qu'il revienne, on peut déjà dire qu'on est sur un sol en bon état. Hein. On va avoir quelque chose de similaire. C'est même possible qu'on ait une couleur plus foncée que l'échantillon qui nous amène, du fait des apports de matière organique et de tous les engrais, etc. Voilà. Voilà le sol de référence. C'est pas terrible en fait ton sol, hein, à la base. C'est un tout petit peu plus sombre en haut du profil, mais c'est assez léger. Il y a un tout petit peu de matière organique. Et ensuite, c'est assez ocre. On voit un peu mieux ici. Donc c'est cette couleur-là qui nous intéresse, la couleur vraiment dans la couche superficielle. Donc là, on voit qu'on est significativement plus sombre. Donc là, là c'est top, quoi. La couleur, il n'y a aucun problème. On peut pas mettre un point de plus, non. On peut pas mettre un point de plus. C'est pas un test à gros coefficient, ça, c'est quoi F2 seulement, de couleur du sol. Voilà. Bon, si vous êtes dans des couleurs voisines, c'est déjà pas mal. On est sur des tests qui sont très sensitifs, hein. On va utiliser nos yeux, l'odorat un petit peu, le toucher. On utilise tous nos sens pour essayer d'appréhender dans quel état se trouve le sol. Bon, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà l'habitude de sentir les modes de sol. C'est un test qui est assez intéressant à faire. Donc vous pouvez prendre des morceaux et essayer de sentir un petit peu ce que ça donne. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, ces senteurs? Ça sent bon. Ça sent bon, une odeur agréable. Alors on peut avoir plusieurs choses. On va partir de la note la plus mauvaise. On a une odeur putride, assez désagréable. C'est un sol où il y a de l'hydromorphie. Donc souvent c'est associé à des taches bleues, aux rouilles, présence de flotte. Donc là c'est pas le cas. Ensuite on peut aller vers une odeur plus minérale, une odeur douce, assez minérale. Là on est plutôt dans ces eaux-là. Et ensuite, la note maximale, c'est une odeur avec un peu des senteurs de champignons. Il y a des parcelles ici où ça sent un petit peu le champignon quand même. Hein, ouais, par endroit. Là, c'est pas marqué ici. Donc là, on serait plutôt sur un score de 1, si on avait ça dans le barème.